Yo les potes, c'est Mirolam, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va nickel et on est parti pour le 7ème épisode sur Epixel. Bon, on avance peu à peu, il y a toujours plus d'émeraudes qui sont arrivées. Mais là, c'est pas moi qui ai récolté les émeraudes. Depuis hier, ça a bien tourné et niveau émeraude, on est à 62 000. Donc, je pense que par jour, on peut facilement accumuler 10 000 émeraudes. Donc, c'est juste une question de temps. Je pense que d'ici les 4 jours, du coup, on aura la possibilité de craft l'émeraude armor. Donc, ça serait vachement cool. Et j'ai regardé la vidéo d'hier à nouveau et je me suis dit, mais attends, mais j'avais pas oublié de parler d'un truc. En fait, je voulais parler de base du bonus de l'armure en émeraude. Ça ajoute que de la défense. Après, j'ai passé sur le craft et j'ai totalement zappé un truc. C'est de parler de l'armure complète. Alors, en fait, il faut savoir que cette armure augmente votre santé et votre défense de 1 tous les 3000 émeraudes dans votre collection. Donc, visiblement, on peut avoir jusqu'à 250 points de vie supplémentaires. Par contre, ce qui m'étonne fortement, c'est est-ce que genre c'est 250 pour chaque item ou 250 PV pour l'armure complète. Alors, moi je vois marqué each, pour moi c'est chaque item, mais ça ferait déjà 1000 HP rien que le stuff, et ça ferait 1400 avec les bonus des Fury Soul, mais sauf que j'ai vu personne à 1400 PV. Du coup, je me pose un peu des questions. Ou c'est peut-être parce que personne n'a farm autant, parce que je rappelle, c'est quand même 3000 émeraudes par PV, et ça serait sur 1000 émeraudes, donc il faudrait 3 millions d'émeraudes, ouais. Bon, c'est peut-être compréhensible qu'il n'y ait pas du coup de 1400 PV. Mais ça, pour le coup, c'est à confirmer. Au passage, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un max de like si la série vous plaît. Et nous, on est parti pour un peu de farm. Je me suis dit, bon, je vais peut-être récolter un peu de citrouilles, les enchanter, comme on me l'a dit en commentaire, histoire de compacter un peu plus la récolte de l'inventaire. Et voir combien est-ce que ça peut rapporter en une petite récolte de ce qu'il y a en dessous. Bon, voilà, ça avance petit à petit, mais il y a quand même pas mal de citrouilles. Bon, il y a quand même quelques défauts niveau poussée, hein. C'est plutôt étonnant. Je sais pas si c'est les plants qui n'ont pas poussé. Ouais, en fait, c'est juste les citrouilles qui n'ont pas poussé, quoi. À part à certains endroits où, du coup, il n'y a pas de lumière parce que il y a l'île au-dessus. Donc ça, faudrait vraiment que je rectifie. Limite, j'irai miner plein de glowstone. Je ferai des lignes entières de glowstone, comme ça, je serai tranquille. Mais là, je pense qu'il y a moyen, facilement déjà, de récolter tout ça. Alors, on m'a fait passer un stuff en plein live. C'est le stuff en ferry. Bon, je crois que j'en avais parlé il y a 2 épisodes. Mais en fait, c'est un stuff qui se débloque avec un certain mob en particulier qui se trouve dans le métier de pêcheur. Et ce sont les Sea Witch. Donc ça, c'est le fameux stuff qui se drop uniquement sur ces mobs. Déjà, il faut pêcher une Sea Witch, ce qui n'est pas gagné. Et après, il faut drop l'item. Et ça, c'est encore moins gagné. Bon, au passage, oui, il est prévu que je fasse une bonne session d'une heure de pêche, histoire de voir ce que je peux avoir comme mob, ce que je peux avoir comme loot également. Et je pense que bientôt, on pourra rush le level 25 farmer et avoir le million de monnaie, ça serait vraiment genre super. Et après, on pourra commencer à commercer tout ce qui est item, un peu cheat et tout. Bref, je reviens vite fait sur l'armure. En fait, elle vous ajoute 5% de vitesse par item et plus 10% quand vous l'avez en entière. Donc avec ça, j'ai peut-être moins de PV parce que l'armure n'est pas enchante. Mais il faut se dire que je monte quand même à 143% de vitesse supplémentaire. C'est vraiment pas mal, surtout pour le farm. Alors pour le coup, faudrait aussi que je vois si je peux pas craft des potions de rapidité. Après, ma hache one shot les citrouilles déjà. Mais je regarde, mais en fait j'ai même pas débloqué. Ah si, là, vitesse. Oh, on a du quoi? Du vitesse 8? Ah, plus 40% de vitesse. Par contre, une glowstone enchantée, oh, faut y aller en glowstone, hein. Ah oui, faut y aller. Bon, je pense qu'on en fera en masse, peut-être pas la potion de vitesse 8, hein, parce que la glowstone, ça va coûter beaucoup trop cher. Bon, 40% de vitesse, ça ira largement. On va commencer à récolter toutes les citrouilles, voir déjà combien d'XP est-ce que je vais gagner, parce que là, pour l'instant, je suis niveau 12 farmer, et il me faut encore 4700 d'XP pour passer au level suivant et avoir 2 PV supplémentaires. Bon, à ce niveau-là, je pense qu'on va pas trop avoir de mal. Bon bah écoutez, let's go, j'ai envie de dire, hein. Allez, hop, c'est parti. Ok, je passe farmer niveau 13 et j'ai fait, on va dire, 2/3 de ce que j'ai. Ok, bon bah on va continuer, hein. Moi je dis ça va monter vite quand même, hein. Bon là du coup, ce que je peux faire déjà, c'est commencer à enchanter mes citrouilles. Comme ça, ça va juste économiser un peu de place. En vrai, ça c'est vachement cool, comme ça on peut carrément vendre les citrouilles enchantées. Et n'empêche, ça compacte tellement l'inventaire, enfin c'est un truc de fou. Bon après, honnêtement, la vitesse de poussée laisse quand même à désirer. Et là-bas, t'as Lord qui a fait un mur, je vais le taper. Voilà, coucou. Mais qu'est-ce qu'il fait, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'avancer la farm là. Aïe aïe aïe.
En vrai, je pense que si on fait sur les 160 x 160, il y a moyen de farm à l'infini en fait. Hein. Oui, au passage, j'ai télékinésie sur ma hache pour ceux qui se demandent. Hein. Comme ça, je perds pas une seule citrouille. Donc, ce qu'on va faire, c'est finir d'enchant. Après, on va partir au spawn. Bon, dites-vous qu'avec tout ça de farmer, j'ai que 15 citrouilles enchantées. Alors que, regardez tout ce que j'ai farmé, quoi. N'est-ce pas, l'or de la citrouille? Hein? Je vais t'appeler l'or de citrouille maintenant. Bon, on va se retrouver au marchand. Peu importe le marchand, même le bûcheron achète des citrouilles, c'est tout à fait logique. Mais bon, en tout cas, c'est pratique. Bon, je rappelle, le prix n'a pas changé. C'est toujours 4$ pour une citrouille. Du coup, on va vendre. Du coup, là, on a 180, 256. Et là, bah, les citrouilles enchantées, forcément, ça compacte un peu plus la chose. Et pour 15 citrouilles enchantées, on a quand même 9600$. Hein? Bon, bah voilà. Je me suis fait 11 000 en 5 minutes. C'est cool. Voilà. Clairement, 11 000 en 5 minutes. Quand même, tu vois, je me dis que 100 000, tu les as quand même en 50 minutes. Si tout a poussé. Donc, pour 1 million, je pense qu'on peut estimer ça à environ 10 heures de farm. En vrai, ça va, 10 heures de farm, c'est pas non plus énorme. Hein. Bon, de toute façon, faut que je passe déjà niveau 25 farmer. Et après, je remplacerai tout par des pastèques. Parce qu'apparemment, les pastèques rapporteraient 9$ par pastèque vendu. Donc ouais, je pense qu'une fois que je serai level 25 et Lord aussi, on fera ça. D'ailleurs, on a quoi au niveau de la collection de citrouilles? Ah, on peut débloquer les farm cristaux. Ça, c'est vachement intéressant pour le coup. Ok, nickel. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il est temps de passer à une heure de pêche. Chill, vraiment posé. Mais ouais, j'aimerais bien voir ce que ça donne de pêcher à fond. À part des mobs qui spawnent, à part de la monnaie, bah, j'ai rien eu de spécial. Donc j'aimerais bien exploiter un peu plus cette pêche. Donc sur ce, on se retrouve, à tout de suite. Je rappelle, avec une canne Luck of the Sea 5, Magnet 6, Lure 5 et Looting 5. En plus d'avoir des appâts, hein, donc appâts qui augmentent de 30% la vitesse de pêche. Bon bah écoutez, vous savez ce qu'il nous reste à faire, voilà. Donc on va se retrouver sur un étang, je ne sais pas lequel encore, mais sur un petit étang, posé. Alors, c'est beau les shaders, mais en pleine nuit, en fait, on voit pas grand chose. Genre vraiment pas. Donc je pense que je vais au moins les désactiver pour la pêche. Bon allez, on met un petit timer et on lance la session de pêche. Bon allez, l'heure de pêche est lancée. Voilà, hop, et on va partir pêcher. Moi je dirais, allez, par là-bas, vers le petit étang où il y a le PNJ Tia. Hein, pour les faire résoudre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi est-ce que le grade YouTube il attire autant? En même temps, on n'est pas discret dans le table. Je devrais peut-être prendre mon number rod de la main. Hein, si je veux attaquer, parce que, genre, taper à la canne à pêche, ça va pas être ouf quand même, hein. Ok, de la morue. Il y a un mec qui est relou. Les gens, ils viennent avec leur poing sous le cœur pendant qu'on pêche. J'ai que des morues. Ah, enfin un truc d'intéressant. Ouais, non, c'est juste un boss guardian, quoi. Ah, passez-moi un truc d'intéressant. Ça fait déjà 7 minutes que je pêche. C'est pas énorme quand on y pense quand même. En fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que les ferrets saoules, on peut en pêcher n'importe où plusieurs fois, ou est-ce que, genre, faut pêcher des ferrets saoules selon des endroits spécifiques, en fait. Et c'est ça que je sais vraiment pas. Sinon, moi, je vais pêcher à l'étang derrière, là-bas. Genre, c'est beaucoup plus grand. Parce que là, on se marche dessus, quoi. Oh! Eh, les zombies, tu dégages. Il s'est fait tuer par le boss guardian, le pire. Eh franchement, n'allez pas pêcher si vous êtes pas stuff, hein. Honnêtement, genre le mec il est mort avec le boss guardian. À la limite, je pense que je peux le récup. De toute façon, il est mort le mec, hein. Eh mais il prend vachement cher aussi en dégâts lui. Moi je suis là avec mon stuff posé. Ok, bon, je crois que je vais bouger à l'étang d'à côté. Là on est beaucoup trop. Bon, là n'empêche, je pense qu'au prochain poisson, je vais passer au level suivant pêcheur et gagner 2 HP supplémentaires. C'est cool, hein? Pêcher pour gagner de la vie. Genre, c'est magnifique quand même. Ok, donc là, j'ai gagné 2 HP et j'ai plus de chances d'avoir des trésors dans la mer. Ouais, là, je crois que je suis à 6,8 avec la canne à pêche. Bon, là, ça fait 15 minutes et j'ai rien eu d'exceptionnel, hein, à part un boss guardian et puis un petit zombie. Hein. En vrai, ça me fait toujours rire. Genre, Water Melon Girl, OMG, Mirolam. Je suis sûr qu'il me connaît, enfin, même elle me connaît même pas. Regarde, The Téton et tout. Juste parce qu'on a un gradin rouge. Oh mon dieu! Ah non, peut-être qu'il me connaît en fait. Mirolam, où es-tu? Ah, ça y est, il m'a trouvé. Bon bah écoute, on va pêcher avec l'abonné. Et sur Epixel, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à pêcher des fois. D'ailleurs, l'hameçon en lui-même ne descend même pas quand ça mord, donc je ne sais pas, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir genre une Sea Witch ou un truc comme ça, quoi.
Quand même, drop un livre. Agilité aquatique? Ouais. Bah, c'est vrai, j'ai pas de Depth Strider. Ok, bah merci. What? Le mec qui m'a droppé ça, il est parti. D'accord. Au plus grand des calmes. Mais pourquoi il me passe des diamants enchantés? Ça veut même plus pêcher! J'arrive plus à pêcher! Je crois qu'il a un aimant trop puissant en fait. Ok, merci. on peut pas MP. En fait, j'ai la flemme de marquer dans le chat normal, sinon je vais me faire spam après. Bon, toujours pas grand chose d'intéressant, voilà. Bon, on est quand même pas mal à pêcher là. En vrai, c'est sympa, je trouve, hein, comme petit cadre et tout, on pêche à plusieurs. Bon, là après, je suis tombé sur un hub où il y a vraiment du monde. Ah, je crois qu'il y en a un qui se fait agresser, je crois qu'il va crever. Attention! Attention, le fight! Guardian contre random player! Attends, il va se retuer, non? Ok, bah on va le tuer pour lui. Nickel. Je crois qu'à mon avis, il allait pas assumer. De rien. Bon, ça fait quasiment 40 minutes. À part des boss guardians, des squelettes des eaux, des zombies des eaux, j'ai pas vraiment eu quelque chose d'exceptionnel. Hein. Bon, si j'ai eu un CD en plus. Waouh, j'ai eu un CD. Je vais pouvoir rentrer sur mon île et écouter de la musique. En vrai, je crois qu'on a trouvé The Fanboy. Ah, tiens, c'est celui qui m'a passé le livre Depth Strider tout à l'heure. Là, il est un mignon Enderman. Oh. Mais j'en ai déjà plein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis là. Oui, c'est moi. Je me fais de plus en plus entouré. Au secours! Retirez-moi ce gras YouTube. Qui est-ce qui veut un gras YouTube, les gens dans le chat? Ils veulent tous m'ajouter en ami. J'en veux plus de lui. Il serait resté avec moi toute l'heure, je crois. Genre, aïe, aïe, aïe. Regarde, ils se bagarrent entre eux maintenant. Et du coup, j'ai changé de hub. Voilà. Oh, j'ai pêché un squelette et il a dépop le mec. Franchement, la tristesse, quoi. La tristesse. Aïe, 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 je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Bon, bah, il reste 8 minutes. Concrètement, j'ai pas eu grand-chose, hein, à part des poissons et tout. Ouais, là, je suis vachement déçu de l'heure de pêche, quand même, hein. Après, j'ai eu quelques mobs, mais en fait, je suis même pas sûr qu'on puisse avoir quelque chose avec les squelettes des mers ou je ne sais pas. Attendez, je vais voir dans le bouquin. Les 6 archers. Et ça peut dropper poisson cru, lily pad, enchanted bone. Ouais, donc rien de spécial, quoi. Ouais. Non, ce qui est le plus intéressant, c'est les witch. Oh, oh, d'accord, j'ai pêché une fairy soul. Donc, je confirme, il n'y a pas besoin de changer de lac, en fait. Donc en fait, on a juste à pêcher des fairy soul. Ok, nickel, bah c'est une très bonne nouvelle. Hein. Mais en fait, je peux les tuer à la canne à pêche, en fait. Oh, par contre, ça use tous mes appâts. Je vais éviter. Oh, sérieux, je l'ai loupé. Tu vas où, toi? Ok, un autre guardian. Allez, hop, tu crèves. Il reste 2 minutes. Et 2 minutes, j'ai... Bon, ok, j'ai pêché une fairy soul juste avant. C'est le seul truc intéressant que j'ai eu. Mais genre, vraiment. Encore un boss guardian? Ok, d'accord. Bon, bah, let's go, hein. Au moins, ça fait l'XP. Bon, allez, il reste 1 minute. Est-ce qu'on va avoir autre chose que des fairy soul, que des mobs qui spawnent, que des CD? Allez, dernier poisson, je pense. Poisson ou mob ou peu importe. J'espère juste que je l'aurai, quoi. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de louper. Ok, bon, bah, ça sera un saumon. Ok, bon, bah, du coup, on va faire un petit récap, quand même, bien sûr. Et bah c'est pas du tout glorieux, hein. Juste des morues, des os, un CD, une fairy soul. En fait, je crois que le seul truc intéressant que j'ai eu, c'est la fairy soul en 1 heure. Mais à part ça, genre strictement rien, je suis vachement déçu quand même, genre vraiment. Mais bon, pendant ce temps-là, j'ai XP mon métier de pêcheur, ce qui a monté mes PV de 2. Et je crois que je suis à la moitié, ouais, je suis à la moitié actuellement du niveau 9, donc bah écoutez... C'est pas trop mal non plus. Bon bref, je repasse sur mon île et je vois que Lord a pas mal avancé. Genre vraiment pas mal. Par contre, je pense qu'il a récolté avant parce que là, ça n'a quasiment pas poussé. Ou j'espère du moins que ça pousse plus que ça. Hein, parce que là, hein, là c'est pas ouf. Hein. Donc là, limite, je m'occuperai de tout planter, je pense, à mon avis. Puis bah je poserai d'autres blocs de terre quand je pourrai. Enfin bref. En tout cas, ça va vraiment faire une farm énorme à citrouille, franchement j'ai hâte qu'elle soit finie. Bon, il a aussi reposé un petit mignon de quartz juste pour les upgrades.
genre 7x7 comme ça. Bon, c'est vrai que commentaire, on m'a dit « Oui, Miro, ça fait pas deux fois plus vite, il y en a juste deux fois plus. » Oui, en soi, c'est vrai. Mais du coup, moi, ça me permet, si je veux, d'XP mon métier de mineur. Et ça, c'est vachement cool, hein. Donc après, en fait, quand ils sont tous en 7x7, moi, je vous dis... Clairement, je pourrais presque miner de l'émeraude à l'infini et XP comme ça mon métier de mineur. Donc c'est vachement cool en soi. Bon, limite, on va en profiter pour récolter. Après, ouais, du coup, l'upgrade, c'est surtout pour nous en tant que mineurs, du moins pour les jobs. Bon, sur ce, nous, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un max de likes comme d'habitude, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur Hypixel. C'était Miro, je vous kiffe. Ciao!